Alors, le Grand Prix d'Australie a pris une décision. Il n'y aura pas d'envahissement de piste, apparemment, en 2024. Suite aux incidents de l'année dernière où certains étaient rentrés sur la piste un peu plus tôt qu'ils n'auraient dû, du coup. Les organisateurs ont reconnu immédiatement que des erreurs avaient été commises en termes de protocole de sécurité et de mesures de sécurité. Des mois plus tard, le problème se pose toujours entre les FIA et les organisateurs du Grand Prix. Par conséquent, la décision a été prise de refuser à tous les fans l'accès au circuit après la course. Une déclaration se lit comme suit. L'Australian Grand Prix Corporation informe qu'étant donné l'enquête en cours de la FIA sur la violation précoce de la piste à la fin de l'événement de 2023, il n'y aura pas d'accès à la piste pour les patrons, non, pour les spectateurs du coup, après le Grand Prix d'Australie 2024. Pour l'instant, la décision a été prise pour 2024 uniquement, mais peut-être que ça va être prolongé aux années suivantes. Ah ben voilà, à cause de une dizaine de débiles. Tout le monde en pâtit et pas d'envahissement de piste. C'est dommage hein, quand même. C'est vraiment regrettable. Je vous laisse commenter.